toujours au niveau. Le championnat vient à peine de débuter, mais est-ce qu'on peut parler déjà de tournant dans ce match face à Auxerre? Ouais, on peut parler de tournant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas gagné depuis le début. Et donc, si on gagne, on met fin à cette série. Tu sens une certaine tension cette semaine? Tu sens que c'est un match vraiment, peut-être déjà le match le plus important de la saison qui se présente dimanche? Non, on ne sent pas de tension particulière. On sait qu'on est dans une situation difficile. Et... il faut un déclic et ce week-end on va essayer de faire le faire. Comment tu expliques que ça marche pas bien depuis le début de la saison? Pour toi c'est quoi les problèmes? Non, malheureusement, je vais pas mettre. On a beaucoup de blessés, mais c'est pas des excuses. Mais voilà, comme ça on a fait un mauvais début de saison et voilà. On est dans cette situation-là et il faut trouver le déclic, quoi. Molibo, il dit beaucoup de choses autour de l'équipe. On parle de que le coach serait menacé, etc. Comment vous appréhendez tout ce contexte? On appréhende comment? Franchement, on n'écoute pas. Hein. Nous, on est focus parce qu'on sait que la situation elle est difficile. On n'a pas gagné, donc certainement, faut pas s'éparpiller sur d'autres choses. Donc nous, le but, c'est vraiment de gagner le plus rapidement possible et prendre le plus de points possible. Et voilà, c'est ça qu'on veut faire. Modibo, oui, il y a cette situation difficile, mais du coup, vous, est-ce que les joueurs, est-ce que vous êtes réunis entre vous? Vous avez discuté? Quels sont les mots qui ont été échangés cette semaine? On s'est réunis, il y a eu des réunions, et ouais, les mots qui sont ressortis, c'est en faire beaucoup plus de la part de tout le monde. Et voilà, c'est tout. Tu parles de déclic, qu'est-ce qui vous manque là pour aller accrocher cette première victoire? Qu'est-ce qui nous manque? Faut bien jouer, faut prendre moins de buts, faut marquer, faut dépasser l'adversaire, et voilà. Comment tu décrirais l'ambiance dans le groupe? C'est un groupe qui est inquiet ou ça rigole encore? Comment c'est à l'intérieur? Non, faut quand même rigoler encore. C'est pas parce qu'on est dans une situation difficile qu'il faut pas être comme on est d'habitude. Donc non, on reste toujours pareil, mais aux entraînements, on s'entraîne plus fort encore et pour que ça soit meilleur le week-end. Modibo, vous allez retrouver la moisson. Le dernier match à domicile s'est terminé par une grosse embrouille entre Jordan Ferry, d'autres joueurs et les supporters. Est-ce que vous appréhendez justement un traitement assez particulier à la moisson? Toi, comment tu as vécu cet incident-là? Non, c'est le football, c'est normal. La situation, comme on dit, la situation elle est compliquée. Après, les nerfs sont un peu tendus de la part de tout le monde, c'est normal. Mais non, il n'y a pas d'appréhension par rapport à ça. Comme je dis, tout le monde faut se concentrer sur une chose, c'est la première victoire et c'est tout. C'est tout ce qui importe. Tu avais déjà vécu un début de saison comme ça? Un début de saison comme ça, moi non, parce que non, j'ai pas vécu de début de saison comme ça. On se dit que la saison elle va être longue. Ouais, sûrement, ouais. Les premières pensées, oui, mais comme on dit, on est encore au début de saison, donc faut faire vite, quoi. Il y a 13 buts encaissés depuis le début de la saison, c'est jamais arrivé pour une équipe de Ligue 1 au XXIe siècle. Comment toi tu l'expliques, autant de buts encaissés en 4 matchs? Déjà il y a eu Paris déjà, ça a mis un coup, un peu, je pense. Et après, si on prend beaucoup de buts, c'est que défensivement, on n'en fait pas assez. Et en faire plus, quoi. En faire plus pour prendre le moins de buts possible. Voilà, être meilleur, quoi. Quand tu vois le calendrier qui vient avec deux déplacements, tu te dis que ce match-là, il faut vraiment pas le rater, sinon ça pourrait devenir Notre-Dame.
Pour moi, là, tous les matchs, faut pas rater. Tous les matchs, faut pas les rater, quoi. Donc, en commençant par celui-là, ce week-end. Et après, on verra les matchs plus tard. Mais déjà, on est concentré sur ce match-là. Et voilà, on va tout faire pour gagner ce match. Avec les absences en défense, t'es l'un des. Enfin, t'as dû évoluer avec pas mal de coéquipiers différents. Comment toi t'abordes ça? Est-ce que c'est difficile? Bon, après, c'est certes, il n'y a pas les mêmes automatismes. Je connais ouais, les automatismes, mais c'est juste la communication après. Il faut qu'on se communique beaucoup. Et voilà. Ouais, c'est tout. La communication et les conseils aussi. Ouais. Important, toi? Ouais, certes, après moi j'aime bien parler à mes coéquipiers, donc non, ouais, ce rôle là j'aime bien le prendre. Et ouais, comme je dis, faut beaucoup se parler pour que même dans tous les postes, quoi, dans tous les postes. Et ouais, voilà.